Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo explicative avec des informations keepers créatifs. Donc, vous avez été quand même pas mal à me contacter pour m'informer que maintenant, on pouvait commander sur le site Keepers. Voilà, chose que j'ai appris après coup. Voilà. Donc du coup, je vous ai dit, je vais voir, je vais me renseigner parce que voilà. Je suis désolée, je n'ai pas pu faire la vidéo ce week-end puisque je faisais l'anniversaire de mon fils. Du coup, j'avais le repas et tout, fait, plein de trucs à faire. Ce qui explique ma tête aussi parce que je suis un peu fatiguée, mais bon, je voulais vous parler face à face. Donc, effectivement, depuis le 22 juin, vous pouvez commander directement sur le site Keepers Créatif. Donc, comment ça se passe? Où vous voulez pas être affilié à une animatrice et là, vous faites votre compte directement sur le site Keepers Créatif. Ou vous voulez... comment dire? Être affilié, oui, pardon, j'ai cherché le nom parce qu'ils emploient ce mot-là. Donc, être affilié à votre animatrice Keepers. Et à ce moment-là, il faut rentrer son code ou son lien qu'elle vous aura transmis au moment de créer votre compte. Donc, par exemple, pour moi, je vous ai mis le lien en barre d'infos. C'est Keepers Créatif. Vous cliquez dessus et là vous êtes dirigé directement sur le site Keepers Créatif. Et quand vous allez, le site va reconnaître en fait mon lien, donc mon code. Et du coup, vous serez affilié à moi quand vous créerez votre compte. Voilà. Si votre animatrice Keepers ne vous a pas communiqué de code ou de lien, surtout, et que vous voulez être affilié à elle, surtout, pensez bien à lui demander son code d'affiliation ou son lien si vous voulez être affilié à elle, puisqu'après, vous ne pourrez pas, si vous vous inscrivez comme ça sans son code, vous ne serez pas affilié à elle. Voilà. Alors, affilié à elle, c'est en fait, c'est comme un parrainage, hein. Puisque du coup là nous perdons en fait avec la vente comme ça sur le site nous perdons l'échange qu'on peut avoir entre animatrice et cliente puisque je trouve que c'est pas trop normal c'est que nous n'avons pas accès aux personnes qui sont affiliées à nous. Donc, on ne sait pas qui c'est qui est affilié, il n'y a pas de nom, pour les commandes, on ne sait rien, on n'a rien. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas on ne peut pas vous conseiller comme on le fait là, puisque là, en fait, on monte des produits, vous nous demandez conseil, on vous aiguille, on vous montre comment on s'en sert, on a des discussions et tout, enfin, voilà, il y a des échanges. Chose que nous, par le site, on n'aura pas, puisque moi, par exemple, je ne saurais pas qui est affilié, enfin, mais personne, quoi, puisqu'ils garderont ça secret. Du coup, voilà, si vous avez un problème avec la commande ou quoi, qu'après, vous ne savez pas quel produit, comment s'en servir et tout, nous, on ne pourra pas vous aiguiller, puisque nous n'aurons pas accès à vos commandes. Donc ça devient une boutique en ligne tout simplement comme toutes les boutiques en ligne en fait. Voilà. Moi je trouve que c'est dommage. Mais bon après. Je crois que c'est tout. Les frais de port, je vous en ai parlé. Je sais plus. Bon, je vous le dis au cas où. Les frais de port. Pour 120 euros de commande, vous avez les frais de port offerts. Voilà. En fait, c'est le seul avantage que vous aurez par rapport à que vous passez par une animatrice, puisque
Les prix sont les mêmes et tout, il n'y a pas de promo puisque par une animatrice ou quoi, c'est exactement la même chose. Voilà, la seule différence, c'est que pour 120 euros de commande, vous aurez des frais de port gratuits. Donc voilà, tout simplement, ben nous en tant qu'animatrice, on paye les frais de port et on doit faire payer aux clientes les 2 euros pour pouvoir pas trop en être de notre poche. Donc c'est pas très équitable, je trouve, par rapport aux clientes qui passent par les animatrices, mais bon, c'est comme ça. Puis c'est tout. Donc voilà, sachez bien par contre que bien entendu, vous pouvez toujours passer directement par les animatrices. Il n'y a vraiment aucun souci. Si vous voulez garder ce contact avec vos animatrices et tout, vous pouvez très bien continuer comme ça, hein, comme on l'a toujours fait. Voilà, c'est au choix où vous passez par votre animatrice comme d'habitude, ou vous pouvez passer par Keepers Creative directement sur le site et commander directement chez eux. Voilà, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Pour plus d'informations, je suis à votre disposition pour vous répondre. Voilà, moi, je clôture ma commande. Je le dis pour celles qui voudraient continuer à passer par moi. Je clôture ma commande le 2 juillet au plus tard. Si les Maya Gold sont dispo le 2 juillet, comme c'est annoncé, parce que je me méfie un peu des dates maintenant, puisque il y a beaucoup de problèmes de réassort. Ça, donc, sachez bien que ce sera la dernière commande que je passerai de tout l'été. Voilà. Puisque j'ai décidé de lever le pied juillet-août. J'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de m'organiser, j'ai besoin d'évacuer beaucoup de choses qui se sont cumulées ces derniers mois. Voilà, je crois que j'arrive au bout du burn-out, donc il faut que j'arrête, hein, que je me pose. Pour ce qui est de Keepers, ça reprendra sûrement en septembre. Voilà, mais voilà, et comme on me demande souvent ces derniers temps, la date de la dernière commande avant ma pause. Donc, je vous le dis au plus tard, le 2 juillet. Donc, contactez-moi avant si vous voulez que je passe commande en même temps. Ne me contactez pas le 2 juillet au soir parce que ce sera trop tard. J'aurai déjà clôturé la commande. Normalement, dès que les Maya Gold sont dispo, la commande est clôturée. Donc, si c'est le matin, le matin, le 2 juillet, je clôturerai la commande. Donc, là, nous sommes quand même le 30 juin. Donc, dépêchez-vous si ne tardez pas trop. Voilà. Après, pourrez aller sur le site. Ou alors, après, ce sera en septembre. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout. Je suis à votre disposition, bien sûr, pour toute information complémentaire. Je crois que j'ai. Oui, c'est tout. J'ai réfléchi, mais oui. Ouais, je crois que c'est tout. Non, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.